La plateforme numérique comme Mon école à la maison, un outil de ressources pédagogiques destiné aux apprenants du préscolaire, du primaire et du secondaire, a été officiellement lancé le mardi 17 janvier 2023 à Abidjan Plateau par la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Maria Toukone nous dit AbidjanTV.net via son correspondant à la présidence. Accessible sur le site www.école-ci.online, cette plateforme est également destinée aux enseignants et aux parents. Mon école à la maison contient environ 4000 fiches de leçons, 5000 exercices, des manuels du primaire, 624 capsules pédagogiques de 15 minutes au maximum, scénarisant des cours entiers, 2000 exercices interactifs à partir des tests objectifs quiz et au moins 150 fiches de travaux pratiques et TP. Maria Toukone a expliqué que le lancement officiel de la plateforme Mon école à la maison révèle trois significations majeures. La première, que la Côte d'Ivoire est impliquée dans les initiatives d'enseignement à distance depuis plusieurs années et le gouvernement ivoirien entend garder le cap pour développer cette offre éducative numérique et innovante. Deuxièmement, le gouvernement ivoirien met à titre gratuit à la disposition des élèves, des enseignants et des parents des leçons, des exercices et même des manuels. La seule chose qui leur est demandée est de consulter régulièrement la plateforme afin de s'exercer seul, à plusieurs, avec les enseignants, avec les parents, avec les tuteurs au temps libre ou pendant les congés. Enfin, troisièmement, la plateforme est essentiellement pédagogique. Elle constitue également un outil de dialogue et d'interaction. En déclarant l'année 2023 l'année de la jeunesse, a poursuivi Maria Toukone, le président de la République fait également référence au système éducatif qui comprend une grande partie des jeunes de Côte d'Ivoire. Elle a soutenu que le gouvernement est résolument engagé pour hisser le système ivoirien au rang des plus performants au niveau sous-régional, régional et mondial.